Yeah. C'est sympa comme endroit. Ouais, ça va déchirer. Je crois que je suis en train d'enregistrer là. Avec ma sale gueule. Alors, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Eh ben, je range tous les petits câbles derrière. Tu vois, tous les petits câbles derrière. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Le truc, et comme ça, ça fait que quand on allume, eh ben, vous avez tous vos retours et puis le son il sort. Voilà. Ah ouais, on peut avoir la batterie dans les oreilles. Et on peut avoir la batterie dans les oreilles quand on la demande, ouais. Ah, c'est super. Bon, après, c'est une technique, hein. C'est vraiment dire excusez-moi, je pourrais avoir un peu de batterie dans mon retour, s'il vous plaît. Tu veux dire la communication, c'est une technique? Ah oui, c'est une vraie technique. Hein. Ok, ça marche. À tenter. À tantôt. À tantôt. Ouais. Ils sont tagués de double étage. Qui donc? Ils se perdent complètement. C'est du dark vegetable. Voilà. Deuxième ville du pays. Ah bon? Je sais pas, je demande. Je sais pas du tout. Non, ouais, ça. Que c'était pas assez loin. Je crois que c'est Bratislava, la capitale. Ouais, c'est mieux. Bratislava, c'est un nom de légende, ça. Ouais. Au centre-ville. Peut-être pas assez insolent comme, comme boutique de fringues. Ouais. Quoi qu'il y ait des chemises un peu. Qui déchirent un peu là. Ben voilà, j'ai oublié mon pantalon dans le bus. Donc je suis dans une cabine d'essayage. Et. Il y a des nouveaux pantalons à essayer quoi. Donc on va les retenter. Allez, c'est parti. Et bien voilà, j'ai fini par trouver un pantalon de secours pour 8,90€. Regardez ça comme c'est magnifique. Je suis très content. Maintenant on va pouvoir flâner un peu avant de retourner faire les soundchecks. Ce soir on joue très tôt, on joue à 17h. Donc il va pas falloir trop traîner non plus en ville. Et regardez comme c'est joli, Košice. C'est très chaud. Ça vaut le coup d'œil hein. Ça sent la vie douce. J'aime bien. Le club est très cool aussi d'ailleurs. Hein. Très joli. J'ai hâte de m'amuser.
Niech salut raduje! Kassiré tétat! Ouvre pas voir des Slovaques. La religion, c'est de la merde. Et Jérôme qui s'est barré? Il en a marre. Des grands bâtiments, ça devait être une nation de ouf. Il y a des années. Ça devait pas déconner ici. Ou alors ça devait déconner, mais façon rare, uniquement pour se reposer quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Comme toi. Parce que je peux te dire que dans le dernier tour report, j'ai pas coupé ta session sur le caca. Ah. J'espère que t'es content. Mais tu m'as pas laissé la finir ma session sur le caca. T'as un truc à rajouter ou pas? Non, on prendra un vrai temps. Ouais. Comme un temps calme pour les enfants, mais pour les adultes, un vrai on temps. On se prendra un vrai temps, ouais, pour être assis tous les deux, soit dans le bus ou un café. Ok. Et on pourra parler vraiment de l'organisation du caca qui n'est pas si simple à 25. Et. Je prends plaisir à cette violence patiente. C'est trop cool. C'est parti.